Bonjour, on va traiter un exercice de l'arithmétique. L'exercice est constitué de deux questions. La première, c'est déterminer l'ensemble des divisions de 210. La deuxième, on va résoudre un système où il figure le PPMC et le BGCD. Bon, on va commencer par la première question. Déterminer l'ensemble des divisions de 210. On a 210 est égal, pardon, à 21 multiplié par 10 est égal à 3 multiplié par 7 multiplié par 2 multiplié par 5 est égal à 2 multiplié par 3 multiplié par 5 multiplié par 7. Donc, pour déterminer l'ensemble des divisions de 210, on va utiliser un arbre. Donc, on va écrire ici, bon, 2, 3, 5, 7. Ici, on va faire 3 branches, la même chose ici. Ici, chaque branche va donner naissance à deux autres branches. Voilà, 2, donc on va ajouter 3, 5, 7. 3, donc 2, 5, 7. 5, donc 2, 3, 7. 7, 2, 3, 5. Maintenant, 2, 3, il nous reste 5, 7. Ici, 2, 5, il nous reste 3, 7. 2, 7, il nous reste 3, 5. Ici 3, 2, donc il nous reste 5, 7. 3, 5, donc c'est 2, 7. 3, 7, 2, 5. Ici 5, 2, donc 3, 7. 5, 3, 2, 7. 5, 7, 2, 5. 7, 2, 7, 2, donc... 3, 5, pardon. Donc 3. 3, 5. 7, 7, 3. Donc c'est 2, 5. 7, 5, c'est 2, 3. Donc, le diviseur. Bon. On pose du 210 l'ensemble. Diviseur de 210. Donc, du 210 est égal. Bon, il y a 1. Bon, 2, 3, 5, 7. 2, 3, pardon. 5, 7. Bon, il y a 2 multiplié par 3, 6, 6. 2 multiplié par 5, c'est 10. 2 multiplié par 7, c'est 14. Ici, 3 multiplié par 2, c'est 6, c'est déjà figuré. 3 multiplié par 5, c'est 15. 3 multiplié par 7, c'est 21. Bon, 5 multiplié par 2, 10. 5 multiplié par 3, 15. 5 multiplié par 7, 35. Ici, 7 multiplié par 2, 14. 7 multiplié par 3, 21. 7 multiplié par 5, 35. Maintenant, on va passer 2 multiplié par 3, 6 multiplié par 5, 30. 2 multiplié par 6, 2 multiplié par 3, 6 multiplié par 7, 42. 2 multiplié par 5, 10 multiplié par 3, 30. 2 multiplié par 5, 10 multiplié par 7, 70. 2 multiplié par 7, 14 multiplié par 3, 42. 2 multiplié par 5, 1 multiplié par 7, 14 multiplié par 5, 6, 90. 3 multiplié par 2, 5, 6 multiplié par 5, 30. 3 multiplié par 2, 6 multiplié par 7, 42.
3 multiplié par 5, 15 multiplié par 2, 30. 3 multiplié par 5, 35 multiplié par 7. 35, donc 21 multiplié par 5, 105. 3 multiplié par 7, 21. Multiplié par 5, 105. 3 multiplié par 7 multiplié par 2, 42. Bon, on passe à 5. 5 multiplié par 2, 10 multiplié par 3, 30. 5 multiplié par 3, 15. Multiplié par 2, 30. 5 multiplié par 7. Bon, 5 multiplié par 3, 15 multiplié par 7. 15 multiplié par 7, donc c'est 105. 5 multiplié par 7, c'est 35. Multiplié par 2, c'est 70. 5 multiplié par... Pardon. 6 et 3, c'est pas bon. Bon. 35 multiplié par 3, 105. On passe à 7. 7 multiplié par 2, 14 multiplié par 3, 42. 7 multiplié par 2, 14 multiplié par 5, c'est 70. 7 multiplié par 3, 21 multiplié par 2, 42. 7 multiplié par 3, 21 multiplié par 5, 105. 5 multiplié par 5, 35 multiplié par 2, 70. 3 multiplié par 5, 15 multiplié par 7, c'est 105. Donc, enfin, 210. Bon, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 diviseurs. En effet, le nombre de diviseurs de 210, 1 plus 1, c'est 2, multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2. Donc, c'est 2 puissance 4 est égal à 16. Donc, c'est 16 diviseurs. Tous les diviseurs de 210, ils sont figurés dans cet ensemble. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, soit x, y appartenant à n au carré, le couple x, y appartenant à n étoile au carré, on pose le PPCM du x, y est égal à m et le PGCD 2xy est égal à d. Voilà la question. Déterminer tous les couples. Bon, déterminons. Déterminons tous les couples xy. Vérifions. M est égal à 210 multiplié par D. Y moins X est égal à petit D. Donc on va résoudre ce système. BGCD de XY est égal à D est équivalent à il existe un couple alpha bêta appartenant à N étoile au carré tel que X est égal à D alpha, Y est égal à D bêta, I alpha bêta, le BGCD de alpha bêta est égal à 1. D'accord. On a M multiplié par D est égal à X multiplié par Y qui est égal à DX, pardon, est égal à D alpha multiplié par D bêta, pardon. Est égal à D carré alpha bêta. Bon, cela implique que M multiplié par D est égal à D carré alpha bêta. On va simplifier par D. Cela implique que M
est égal à d alpha bêta. Y moins x est égal à d alpha moins d b, bon, d bêta, pardon, moins d alpha est égal à d facteur de bêta moins alpha. Donc, m est égal à 210 multiplié par d, y moins x est égal à d, est équivalent à, on va remplacer m par, donc d alpha bêta est égal à 210, pardon si c'est implique, 210 d, d bêta moins alpha est égal à d. Donc on va simplifier par d. Donc implique alpha bêta est égal à 210 et on simplifie par d, on aura bêta moins alpha est égal à 1. Cela implique que alpha bêta est égal à 210 et bêta est égal à alpha plus 1. Bon, cela implique, bon, dans le produit alpha bêta est égal à 210, on va remplacer bêta par sa valeur. Donc on aura, cela implique que alpha, facteur de alpha plus 1, est égal à 210. Bon, on va revenir à la liste des nombres des divisions de 210 et on va chercher alpha qui vérifie cette relation. Ici alpha plus 1. Bon. Bon, cela implique que alpha divise 210 i alpha facteur de alpha plus 1 est égal à 210. Bon, les diviseurs de 210 sont 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 60, 42, pardon, 70, 70, 105, 210. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, de suite, 6, 16. Bon. Ici, alpha plus 1 est égal à 1 plus 1, c'est 2. Ici, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 22, 31, 36, 43, 71, 106, 211. Maintenant, on va chercher le nombre qui sont consécutives et leur produit est égal à 210. Bon, 1 multiplié par 2, c'est 3, 2 multiplié par 3, 6, 3 multiplié par 4, c'est 12, 5 multiplié par 6, c'est 30, 6 multiplié par 7, 42, 7 multiplié par 8, c'est 56,
10 multiplié par 11, 110. 14 multiplié par 15, bon. 15 multiplié par 14 est égal à 2, 6, 15, 0, 11, 2. Bon, il y a ce couple. 15 multiplié par 16, il dépasse 210. La même chose pour 21. 22 dépasse 210, le produit dépasse 210, 35 multiplié par 13 dépasse 210. Donc, le seul couple qui vérifie alpha, facteur de alpha plus 1 est égal à 210, c'est 14, 15. Donc, alpha maintenant, bêta, est égal à 14, 15. Donc, comme d est égal à 14, alors x est égal à d alpha qui est égal à 14 multiplié par 14 et y est égal à d bêta qui est égal à 14 multiplié par 15 qui est égal à. Bon, 14 multiplié par 14, 16, 1, 56, plus 14, 6, 9, 196, 15 multiplié par 14, on va ajouter 14 à son nom, donc c'est 210. Maintenant, x, y, il vérifie cette condition. X, Y est égal, bon, 14, pardon, 176, 210 qui est égal, 14 multiplié par 14. 14 multiplié par 15 est égal à moyenne de l'associativité de PPCF, donc est égal à 14 multiplié par 14 qui est égal à 14 multiplié par 14 multiplié par 15, c'est 210, donc est égal à 14 multiplié par 210. Ici, le diviseur commun, pardon, x, y est égal à 14 multiplié par 14, 14 multiplié par, pardon, 196, 210 qui est égal à 14 multiplié par 14. Bon, 14 multiplié par 15. L'associativité de BGCD, on aura. Le BGCD de 14 et 15, c'est 1, car ils sont consécutifs d'après le théorème de Bayes. 15 moins 4 est égal à 1, 14 est égal à 1, donc ils sont premiers 3, alors le BGCD est égal à 1. Voilà. Donc, on va calculer. Donc on a M est égal
à 210 multiplié par D, pardon, D, D c'est 14, et on a aussi Y moins X est égal à 210 moins 196 qui est égal à 14, 14 c'est D. Donc le couple vérifie c'est ce système. Donc l'ensemble du couple XY de N carré au carré qui est vérifié N est égal à 210 multiplié par D, Y moins X est égal à D, et S est égal au couple, bon, X, 186, 210. C'est le singleton, le couple, formé de... Bon, c'est le singleton formé du couple, 196, 210. Voilà pour cet exercice, merci beaucoup pour votre attention, à la prochaine.